Il y a quelques jours, ma carte bleue s'est bloquée et je me suis dit, c'est le moment parfait pour partir en vacances. Le concept, il est simple. Je pars 7 jours. Bon, après, vous, ça sera divisé en plusieurs vidéos. J'ai pas d'argent pour me déplacer, pour me nourrir et pour me loger. En d'autres termes, je suis un peu à la rue. Des dédicaces à Nantes et Moots, des nuits culottées si vous connaissez pas, allez voir. Je m'appelle Nance. Bonsoir. Moi, c'est Moots. Et notre manière de voyager, c'est le soir, c'est de dormir chez l'habitant, de demander l'hospitalité. Oui, bien sûr. Ça a été une grosse influence pour moi et pour beaucoup de gens. En quoi c'est plus facile que nuit culottée aujourd'hui? Je pars avec de l'équipement. J'ai quand même des affaires, des vêtements plus ou moins chauds. Difficulté supplémentaire, je suis tout seul. Et putain, je préfère être en slip avec un bon pote que tout seul, ça je peux vous le dire les gars. Donc ça, c'est la base du concept, ok? Mais c'est pas le concept en lui-même, ok? Le concept, j'irai où tu iras. Célèbre chanson bien sûr de Shakira. Donc pour me déplacer, vous l'avez compris, je vais faire de l'autostop. Mais je vais nulle part, je vais là où les gens vont. Ce qui me fait surtout peur, c'est dormir chez l'habitant. Parce qu'on est en putain de plein mois de novembre en fait. Inutile de vous dire, je suis pas tellement bouillant à l'idée de dormir dehors fin novembre. J'ai quand même de l'appréhension bien sûr avant de partir, ça a quand même été du stress. Je sais que je peux me mettre potentiellement bien dans la merde. Allez. Mais faut que je reste positif. Sans arrêt. Positif. Donc les gars, bienvenue dans cette vidéo. J'irai où tu iras, premier opus. C'est parti les gars. Bon, je vais poser le sac parce que là, en fait, je marche et j'ose pas m'arrêter parce que je suis en mode ok, à tout moment je pars en Espagne. Tu viens où tu iras, pays sera à toi. Je pense que les matins vont être très chill, vraiment, très chill parce qu'en soi j'ai aucune pression. Et les soirs, là, quand t'es dans ce genre de situation, mais il est 17h. Il y a beaucoup de voitures qui arrivent là, je vous laisse. Et tout à coup. Là en gros je pars une semaine. Ouais. Sans aucune thune. Sans argent. Putain. Sans rien. Putain. Ouais, t'as de quoi chauffer là, t'as une. Attends, je reviens, je passe ouais. À la banque. Pas de soucis. Bon, j'ai pas eu le temps de filmer parce que je vais pas laisser la caméra tourner. Tourner en permanence hein, parce que sinon vous aurez une vidéo qui va récapituler juste 2 heures de route. Ça a marché, le mec a vu le message, il a kiffé direct, je l'ai vu rigoler, il s'est arrêté. Il va me déposer vers les axes autoroutiers, donc ce qui veut dire que peut-être que je m'apprête à partir loin. Ouais, je m'apprête peut-être à partir loin les gars. Et tout à coup. Tiens, ça c'est pour toi. Rien à foutre, ton projet est fou. Garde ça. Mais c'est vraiment gentil, mais... Non, parce que... Alors là, du coup, je suis à peu près sûr que vous avez pas compris grand-chose, quoi. En fait, le gars qui m'a pris en autostop, appelons-le Jocelyn, tiens, ça tombe bien, c'est son prénom en plus. Et bah Jocelyn, ce filou, regardez sa réaction quand je rentre dans sa voiture et que je lui dis que j'ai pas de thunes. Après, du coup, bah, j'ai pas d'argent pour me loger, me nourrir, ouais. ni me déplacer. Commencez à comprendre, là. Passe à la banque. En gros, Jocelyn, il s'est arrêté pour aller retirer de la thune à la banque et pour me le donner. Il n'y a aucune blague, on commence l'aventure avec un mec comme ça. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Au mois d'août 2020, je suis parti faire Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc là, juste partir par moment sans thune, sans rien. Tu... Voilà, c'est... T'as des rencontres qui se font, qui... Voilà. Moi, j'avais pas prévu de passer par là en plus ce matin, donc là on faut croire en ton aventure, donc vas-y. Bah écoute, c'est adorable, c'est sûr et certain, et puis je m'engage du coup à utiliser que en cas de vraiment de nécessité absolue, mais je sais pas trop quoi dire. Pas de soucis, merci beaucoup, c'est gentil, mais bon voilà. Je suis un peu gêné là, ouais, car comme j'ai dit, le concept c'est de pas utiliser de thunes, du coup je savais pas ce qu'il fallait que je fasse, genre est-ce qu'il fallait que je refuse ou pas. Et c'était pas évident de refuser devant le geste de Jocelyn qui, je le rappelle, me connaît depuis 5 minutes. Du coup je me suis engagé devant lui et je m'engage devant vous à utiliser ce billet de 20 euros, coquette somme, qu'en cas d'absolue nécessité ou encore de danger.
Allez. Et ben c'est quoi ton prénom d'ailleurs? Jocelyn. Jocelyn, Alex, Alexandre. Putain, bon courage. Jocelyn, bah merci beaucoup, hein, tu m'as donné, tu m'as pas beaucoup de force. Il y aura des moments peut-être de doute, tout ça. Carrément. N'oublie pas. Va, reste comme tu es. Allez. La dinguerie. La dinguerie. On tombe sur un collègue youtubeur pour lancer l'aventure. Ouais, Jocelyn est youtubeur et je le laisse se présenter parce que depuis, on a gardé contact. Peut-être même qu'il y aura une vidéo YouTube ensemble, qui sait. Quelle aventure humaine et pleine de bonnes valeurs, vraiment, restez jusqu'à la fin. Et salut à vous les loulous! Axelar m'a demandé une vidéo de 15 secondes pour présenter la chaîne. Alors je vais tenter de présenter la chaîne en 15 secondes. 2 secondes déjà de perdu, ça va être très très compliqué. Et salut à toi, c'est Vinilement Vôtre et ça a été un très très grand plaisir de prendre Accélère en stop. Du coup, j'ai une chaîne qui est consacrée au vinyle et à la musique. Je fais des vlogs un peu partout en France pour aller chasser du vinyle dans des brocantes, des vides greniers, des Emmaüs, tout ce que tu veux. Et je fais quelques présentations et quelques courts-métrages. Et cette année, j'ai une idée très très conne qui rejoint un peu la folie d'Accélère. Je pars livrer une box vinyle à pied, Poitiers-Lyon, 495 km. Allez, à ciao, bye bye! Salut! Je te prends en photo avec ton panneau, je vais partager ça si jamais il y a des gens qui te croisent sur. Pourquoi pas, c'est gentil! La première voiture, les premiers instants, c'est toujours important pour te lancer, et là, franchement, Jocelyn. T'es un frère, t'es vraiment un frère, genre ça me lance tellement bien, genre je suis en mode. Il a été adorable, il a grave compris le truc, en plus bon, lui fait un peu de vidéo aussi. Même dans les messages, ouais, c'est fou et. Et je me dis, ça part tellement follement là. Bon, vous, quand vous partez en vacances, vous allez voir sur le site de la SNCF, hein, ou un petit blablacar, un truc comme ça, tu vois. Bah moi, je suis au bord du rond-point, mon gars. Je regarde les panneaux et je décide. Donc là, j'ai la nationale là-bas. Donc à la carte, j'ai Bordeaux, Angoulême, Saint-Niort, Divonne. Divonne, c'est la prise. Mais quand même, j'ai envie de partir à l'aventure et quand même pour les... Pour la vidéo, je vais quand même le faire. Je pense que je vais partir sur l'autoroute quand même, histoire de me dire, bon bah, je vais peut-être partir un peu loin. Donc je suis en train d'apercevoir que j'ai quand même une part de choix quand même dans cette vidéo. Là, je pensais pas, mais en fait, tout con, bah, je peux décider des sorties des ronds-points. Donc là, j'ai Niort, La Rochelle, Nantes, Paris, Bordeaux. Ouais, mais ça se trouve, ça sera pas une de ces 5 villes, ça sera peut-être sur le trajet, j'en sais rien. Bon visionnage. J'irai où tu iras. Qu'importe là. Je fais un peu de stop avec la caméra à la main, histoire que les gens soient en mode « Ah, mais gros, il fait quoi ?» Oh, il y a une 4L. Johan, pensez à toi. J'irai où tu iras. Prends-moi en voiture. Pardon. Et je tiens à dire que les gars, il fait ultra froid, mais vraiment. Ah oui, je précise qu'au moment où je pars, il y a une vague de froid qui arrive, et elle arrive de Russie. Ouais, le pays à droite, là où il fait très froid, là. Et j'ai quand même pris la décision de partir. Alors vraiment, abonne-toi. J'en fais trop. Je me dis, mais gros, une nuit dehors, là. Ça me fait tellement rire et chialer. Je vais pas tout le temps être la pancarte parce qu'il y a des gens qui bug en fait je pense. Et qui se disent j'irai ou tu iras. C'est où ça? Je suis sûr qu'il y en a qui se disent je connais pas cette ville. Et tout à coup. Oh. Allez, yes. Bonjour. Je vais nulle part et partout. Je suis désolé, je rigole à mes propres blagues et en plus j'ai vraiment un rire énervant, mais vraiment genre j'ai pas de thunes, je survis les gars, donc laissez-moi en fait. J'ai un entrepôt avec mon frère à Saint-Vincent, on fait de l'import du Brésil de coq et de combi. Si ça te branche de venir voir. Donc en gros vous les importez, c'est ça? Voilà, même si tu veux venir voir. Bah écoute. C'est parti, alors je m'attendais pas à ça, mais je m'attendais à rien non plus. J'ai proposé à Alexandre, c'est ça Alexandre? C'est ça, Alex. J'ai proposé à Alex de, en contrepartie d'un petit coup de main à l'atelier, on verra si on va lui trouver une occupation, qu'il pouvait rester chez moi jusqu'à demain s'il voulait, on passerait l'après-midi et la soirée ensemble. Voilà le résumé. Voilà, bah merci beaucoup, ce gars c'est adorable. Et puis bah déjà dans un premier temps, première nuit théoriquement en sécurité. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et puis bah hâte de découvrir alors cet atelier. Venons d'arriver. Incroyable.
auto-stoppeur. Bonjour. J'ai pris. Bonjour. Donc il fait comme nuit culotté. C'est il ça. Part à l'aventure sans argent. D'accord. Et donc je lui dis bah si tu veux je te loge aujourd'hui. Si tu fais un coup de main à l'atelier, donc il est d'accord. Bah, tu prends le ski un peu. Ah ouais je prends vraiment ce qu'il vient. Il n'y a pas de plomb. En gros c'est comme nuit culotté sauf que je suis tout seul et j'ai des vêtements. Bon, j'ai envie de te dire, vu la saison, c'est pas plus mal. Ouais. Tu regardes celle-ci, là, la rouge, là, elle a été entièrement restaurée. Tu peux la regarder de A, la mettre sur le pont, regarder en dessous, partout, elle est neuve. C'est une voiture, elle est de 65. Vraiment, je fais jamais ça, là. Cette pose, c'est vraiment la pose du genre... Ouais, M3, 3 litres 2, moteur hydrocarbure, propulsion, je sais pas ce que je dis. Je veux juste pas les vexer, encore une fois, je survis, les gars. Bon, on va pas se mentir que pour le moment, ce qui se passe est absolument complètement incroyable. Entre Jocelyn, qui était adorable, mais alors là, on est passé à un cap là, de possibilités. Je suis quand même dans un hangar avec plein de vannes et de trucs de fou. Par exemple, la truc de fou, c'est que je sais pas quoi dire d'autre, en fait. C'est des voitures, elles ont des pneus. Je suis tellement désolé pour tous les passionnés qui passent par là. Alors, je m'étais posé la question, parce que bah, forcément, Willy m'a proposé aux alentours de quoi 11h, 11h30 de dormir chez lui. Donc, je m'étais posé la question, du coup, est-ce que je dis oui ou pas? Mais là, comme... Bah déjà j'avais été un peu flippé le premier jour, je me dis pas envie de dormir dehors dès le premier jour. Et surtout bah là il y a une réelle démarche parce qu'en fait il y a le hangar, il voulait montrer toutes les Volkswagen. J'ai pas envie de dormir dehors. Et tout. Donc il y a une vraie démarche, il y a un vrai truc très intéressant. Et du coup bah ça légitime le fait que je vais passer du temps avec lui, apporter du contenu et du coup bah qu'en soit je peux complètement me permettre déjà d'arrêter mon avancée aujourd'hui. Il fait vraiment froid. Assez tôt au final, mais parce que bah là j'ai quelque chose à vous proposer cet après-midi. Du coup, nous partons manger. Alors, je sais pas où on va. Je pense qu'on va chez Willy. Donc, écoute. Ouais, il y a une salle de bain, j'ai les toilettes. Alors les toilettes, tu vois, c'est comique. Ah ouais, elles sont posées en plein milieu du passage. Quoi. Bah merci beaucoup de me recevoir. Ah tiens, la fille est là. Écoutez, t'es Kiro Puta de Rammstein. C'est une métaphore pour dire la putain, la démonétisation. Attends, mais je fais pas de vue. La Et Willy, il m'expliquait que ce van là, c'est ce qu'on appelle un T1 ou un split. C'est les premiers vans Volkswagen. C'est vraiment dans les plus anciens. Et celui-là, il est vraiment, comme dit Willy, dans son jus. Il y a même toujours une petite bouteille de coca. Mais tu vois que la bouteille de coca, c'est pas la bouteille de coca de l'année dernière. C'est, je sais pas de quand elle date, mais. Franchement, ça fait un moment, je pense, qu'elle est installée au poste de pilotage. On va mettre de la musique. Ça me paraissait évident. Programme de l'après-midi, je vais essayer de faire quelques petits plans pour la vidéo YouTube et quelques petits plans que, éventuellement, je ferai un petit montage, je leur donnerai. Ça peut être cool comme monnaie d'échange, je me suis dit, ça peut être trop bien. Ouais, je vous ai pas dit, du coup, en l'échange du gîte et du couvert, au final, je vais laisser Willy bosser. Et comme je sais faire de la vidéo, bah en fait, je vais leur faire un petit support promotionnel pour Combi Loisirs. Faut faire avec ses capacités, vous verrez, vous aurez toujours quelque chose à échanger avec quelqu'un. Qui que vous soyez, croyez en vous. Vous pouvez tant apporter à vos congénères humains. J'en fais tellement trop. Je vous balance la vidéo de chez Willy et chez Raph. Pour vous les gars, merci beaucoup de m'avoir accueilli l'après-midi dans votre hangar, de m'avoir fait découvrir votre monde. Et merci beaucoup à Willy aussi de m'accueillir ce soir. Et franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc merci beaucoup, c'est pour vous.
je pense que quand il va commencer à être un soir 16-17h et que j'ai toujours rien, ça va être très tendax. Mais c'est le risque. C'est le risque. Non, mais c'est le jeu de ton compte, bien sûr. Je le prends, hein. Après, voilà, je vais essayer le moins possible. De toute façon, si tu veux pas avoir trop froid, vaut mieux aller dans. Si tu vois un bosquet, un petit coup de forêt, c'est là que tu seras le mieux. Hein. Mmh. Et sinon, je te file. J'appelle ma fille, hein, trop soit pour demain soir, si tu veux. Et Vitagnor, ça fait un point break. Bah après, je. On fait beaucoup de kilomètres, hein. Ça m'excellent, Nior. Ouais, c'est ça. Bon, à 8h là, demain matin. Là. Nous venons de quitter. Ah oui, il n'y a plus de lumière. Nous venons de quitter Raph. On le revoit demain matin pour le petit déjeuner. À la gueule de Garcia, on le reconnaît même pas, quoi. Fin de première journée, j'avais beaucoup d'appréhension, j'étais inquiet avant de partir. En toute honnêteté, je pense pas que j'aurais pu plus réussir cette première journée. Par contre, t'aurais pu plus réussir ta coiffure, non? J'ai mis des sous-titres parce qu'il y a la douche qui chauffe. C'est incroyable, je suis séduit littéralement par l'aventure. Il n'y a aucune raison que ça se passe à un moment donné dans ma vie cet après-midi-là. Cette journée-là n'avait aucune raison de popper un jour dans ma vie. Et je l'ai quand même vécu. Et en plus, là, à l'instant, pour clôturer la journée, il vient de se passer un truc incroyable. Et quand je vous dis incroyable, c'est pas genre vite fait incroyable. C'est vraiment... C'est incroyable. Genre vraiment, je suis trop refait. L'aventure prend un tournant encore plus différent. Ça s'est passé là. J'ai fait le choix de pas vous le montrer au montage. On attendra demain matin pour vous annoncer la petite bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Donc écoutez, à demain matin. À ciao, bonsoir. Le bras, avec ça. C'est de bon. Le dev de merde, mec, il a cette nuit, il reste un homme. Ah, je prends bon. On est deux. Non, plus sérieusement, Joris, que vous avez vu dans Hitchhiker 2, devait partir avec moi, au final il pouvait plus, et maintenant il peut. Du coup, il nous a rejoint à 23h chez Willy. Toi, t'es vraiment quelqu'un de particulier, on va dire. Ok, bah écoute, à tout de suite, je t'envoie l'adresse par message. Ça va? Ça va ou quoi, mec? Donc toi, t'es là, toi? Bah mec, je suis là, quoi. Je me suis dit c'est qui, mais c'est toi. Bah mec, c'est moi. Willy qui est une vraie crème, parce que je le rappelle, il m'a emmené dans son atelier, il m'a nourri, il m'a logé, et à 23h je lui dis, est-ce qu'il y a un pote qui peut venir dormir? Il me dit oui. Donc je vous mets quelques images du matin où Joris en fait était déjà là, je sais pas si vous avez capté, j'avais laissé des petits indices et tout au montage. Je suis un peu un magicien, tu vois, je fais des vidéos sur YouTube d'ailleurs, abonne-toi. Tu veux que je t'aide? Oh, je suis chaud. Ça c'est des plaques, je précise du coup, qui sont brésiliennes. Et ça c'est ouf ça. Ça c'est ouf ça. Ça c'est avoir une part très importante. Et là, Mirafolo. Mirafolo. On le dit bien. On le dit bien je pense. On est pas brésilien un peu? Bah mec, c'est connu là-bas. Attends, regarde. Mirasoro. Do Brasil. Ouais, et puis moi je l'ai attaché moi. Ça c'est incroyable, j'avoue. Donc Joris c'est immatriculé. Premier humain immatriculé de France. Ah mec, incroyable. Ça y est, il part. Ah mec, regardez-les. Voilà, les deux gouttes là. Les deux gouttes de la première journée. Ah oui. Donc on repart de Saint-Mexant, on aimerait bien choper... Choper direction de Basse-Vendée, qu'on va dire. Basse-Vendée. Ah les tacs de place, mais prends-nous une boîte. Bête de Merco qui vient de s'arrêter. Merco du Seigneur. Je précise du coup que on va au péage d'autostop, mais c'est à peu près la même situation qu'hier quand Willy m'a pris. C'est-à-dire qu'on va prendre la 10, mais sauf qu'on va prendre la 10 qui monte ou la 10 qui descend. Toi tu le ferais Adrien toi? Deux. De dormir dehors comme ça dans la paille. Je l'ai fait mais je le ferai plus. Ah ouais, tu l'as fait? Ah ouais. Il était jeune quand même.
j'étais beaucoup plus jeune, hein, j'ai fait une saison d'hiver, ouais, ça n'a pas toujours été facile tous les jours. Donc, Le Joris. Bon, ça, on allez Adrien, on merci beaucoup. Bon courage. Donc ça peut monter ou descendre, on ne sait pas. Donc on va voir. Bah t'as une petite preuve quand même. Franchement, non. Non. Ouais, descendre. Descendre, ouais, on est d'accord, on veut descendre. On veut le soleil, on veut aller chercher de la chaleur là. Joris a pas de gants, du coup on se partage un gant. On sacrifie une main pour l'équipe. Ouais, super, en tout cas, continue comme ça. Il y a un mec de l'autoroute qui est venu nous voir. L'autostop est interdit sur autoroute. Ouais. Oui, bah oui, je sais. On était entre les deux voies, sauf qu'au final, on s'est fait recaler par un mec là-bas et du coup, les gens peuvent se garer là, donc c'est cool. Et on fait du stop. Allez, Jojo, Jojo. Mon pays sera de toi. Hein. Bon, je pense qu'on a dépassé les 3 quarts d'heure d'attente. Oh, il y en a 3. Allez, il y en a 3. Allez, la première, c'est Perpignan. La deuxième, c'est Rochefort. Rochefort. Albi. C'est Bordeaux. Albi. Oh Albi! Putain, on a failli partir en vacances. Tu crois? Je fais du stop sans les mains! Mais moi je fais du stop avec les mains! Voilà, c'est deux méthodes qu'on voulait vous montrer avec Joris. Ça n'a rien à voir. Par contre, niveau température, pour un mois de novembre, on est quand même sur des températures très très froides. Ça va être bien! Là, il y a un vent, là, il y a Dieu qui pète, gros, ça vient direct sur notre nez, tu vois. Moi, je me suis emballé un peu. Attention, on va te faire écraser. Bon, une heure qu'on est là, j'ai réussi à craquer. On retourne au spot de base où on s'est fait virer pour mieux se refaire virer. J'ai fait ça une fois, j'ai pris une amende. Voilà, faut qu'on soit appris assez rapidement, étant donné qu'on n'a pas vraiment le droit d'être là, donc. Bonjour! Vous allez où? Ah, bah la Roche-sur-Yon, si ça vous tente. Ouais, on switch off la caméra. Bah, on part sur Roche-sur-Yon, on filme pas parce que monsieur veut pas, et y a pas de problème. Et on est parti, on part à la Roche-sur-Yon, on part à la mer. On est à la Roche-sur-Yon. Du coup, on monte finalement. Ouais, au final. Dans deux secondes, on prend une voiture qui va à Bordeaux, c'est sûr, tu vois. Beaucoup de discussions dans la voiture. Hein. Beaucoup de discussions sur le Covid. Ah, c'était vraiment Covid, donc c'est pour ça que. C'est ça, c'est. Mais de toi à moi. De toi à moi. C'était un peu angoissant, quoi. C'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une vision assez noire de la situation actuelle, alors que je peux la comprendre. Hein. Mais en tout cas, merci Lolo. Il a écrit un one-man show et du coup, il nous a dit que si jamais on le voit un jour à la télé, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais soit peut-être un peu moins méfiant pour le one-man show. Elle est bien la blague. Toi, tu t'es pas rendu compte, frère, je suis sûr. Et quoi? Je t'ai pas rendu compte d'une dinguerie dans la voiture, une dinguerie. Quoi? Sur le GPS de la voiture, il n'y avait pas le GPS de marqué. Tiens, regarde, sur le truc de la voiture. Hein. Et tu sais. Du coup, mec, le gars qui nous a pris en stop, il est en train de regarder une vidéo porno. Au bout d'un moment, vraiment, il me parlait et j'étais genre vraiment comme ça et tout. Putain, je voyais le truc, une salope, et après il me parlait, il était là, ouais, le Covid, ça y a rien. Ouais, je sais pas ce qu'on fait là. Hein. Eh bah allez, là il y a un bar brasserie, on va tenter. Allez. Vas-y, t'as pas un masque pour moi? Non. Moi je suis confiant, hein. Ça tente. Enfin, genre au pire, on se prend une requin, on s'en fout. Je le sens grave bien. Je l'ai senti grave bien depuis le début. Je pense qu'on part avec 3 pizzas au saumon, je pense. Bon, on prépare ça, un petit sandwich chacun. Ah ouais. On prépare ça, le temps de chauffer la baguette et puis de préparer ça. Bah franchement, c'est adorable, merci beaucoup. Ça s'appelle comment ici? L'ardoise des saveurs. L'ardoise des saveurs, ouais. Au centre commercial de La Roche-sur-Yon, je sais pas exactement quel centre c'est. Sud Avenue. Ok, Sud Avenue. Ah ouais. On a 3 clémentines chacun, une pomme, 2 croissants. Et ils ont pas amené les petits sandwichs. Ah, mais il est un peu chaud. Ouais, là. Merci beaucoup. Au revoir. Regarde, c'est pas un sandwich. Vous comprenez bien la différence entre un sandwich et une baguette entière. Regarde ça. Oh, mais il y a des petites boules de mozzarella. Ah ouais? Mais, gros, mais j'ai plein de miettes. Mais gros, tu sais que t'es trop bon. Ah ouais? Mais oui. Oh yeah. Oh oui. Je veux pas qu'on dirait quand même beaucoup trop fatal bazooka. Mais moi en fait ce que je crée à chaud, c'est genre on se met à un espèce de passage
où il y a personne. Stop là. Tu vois, sûr de pas être pris. Non, je fais le stop. Mais non, mais t'inquiète pas, oui, c'est adorable, mais t'inquiète pas, on va s'en sortir. On va s'en sortir. On peut... J'imagine. Il y a vraiment des news. Gros, genre, ce soir, on a trois appels manqués de Willy, c'est sûr, gros. Il prend plus de nouvelles que ma copine. J'irai où tu y vas tout le temps. J'irai où tu y vas. J'irai où tu y vas. T'importe ton droit. Alors tu veux faire quoi? Alors en gros, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais fait, ce que j'aurais fait, c'était faire j'irai où tu y vas là toute la semaine. J'irai où tu iras. Oui, c'est pareil. C'est la musique. Oui, mais j'ai bien compris. Respecte au moins le conseil. J'irai où tu iras. Oui, juste là pour dormir dehors, hein. Le reste il s'en bat les couilles. Bon, en gros je sais pas trop pourquoi, mais Joris il veut vraiment marcher. Et du coup on va faire 4 km pour aller au nord de La Roche, on a été déposé au sud. Et du coup au nord de La Roche il y a Nantes et il y a le début de la Bretagne. Ah mais gros, on s'en souviendra, les abonnés ils seront là, ouais on se rappelle, la marche de Bretagne. En gros il y a des photos de ouf à prendre là. En vrai il pourrait avoir des petites... Bah, j'avoue t'es pas con toi. Putain, mais j'ai peur. Je vous ai fait peur. Voilà, un peu. Je peux même que vous. Oui, c'est bon. Pas. J'ai dit comme vous avez votre. Oh non, ça fait pas. Vous. Ça fait rien. Non. Vous n'allez pas m'avoir en photo. Ah non. Non, non bon. Bah, ça serait pas gênant. Ah, ça serait pas gênant. Ça serait même agréable. Bonne journée. À vous aussi. Au revoir. J'ai senti ça serait pas agréable. Ça me paraît nickel en vrai. Je suis bien là. Vous voyez, il faut être capable de faire des erreurs. J'ai laissé Joris décider. Non, j'ai compris que c'était une erreur. Bon, on est où Joris? On va commencer à réfléchir au logement. Il est quand même quasiment 14h30. Ou dans 2h30 la nuit commence à tomber. Voilà ce qu'on a à la carte. Bon, du coup, on pense que Nantes va attirer, mais ça se trouve, on va se retrouver à La Rochelle, Angers, Cholet, je sais pas. On verra bien. Et ça, c'est la petite excitation, une voiture vient de s'arrêter, du coup, on est presque sûr qu'on la prend. Donc, où est-ce qu'on va? C'est la grosse suspense. Surprise, surprise, pas suspite. Salut. Bonjour, ça va? Montaigu. Vers Montaigu. Montaigu, non mais trop bien. Non, plus sérieusement, Stanislas, il nous emmène en direction de Montaigu, mais on s'arrête dans un village qui s'appelle L'Herbergement, car Stanislas, il connaît un endroit où on pourrait potentiellement crécher. On est avec Stanislas, qui nous a pris, et du coup, tu nous emmènes. Bonjour, maison familiale et rurale de L'Herbergement. Donc, que je connais pas encore, mais on va essayer de voir si... Pourquoi pas? C'est une maison qui accueille des jeunes, c'est ça? Voilà, qui accueille des jeunes qui sont tous en alternance, okay, qui apprennent des métiers. Métier voilà. Okay. Donc, du coup, le petit truc coca, c'est qu'on cherche un hébergement dans un village qui s'appelle L'Herbergement. C'est ça? Voilà. Bonjour! Bonjour! Au dépourvu. Ouais, ouais. On peut vous laisser aussi discuter entre vous. Ouais. Au pire, on peut attendre là et vous revenez vers nous, vous me dites partez. Okay, on peut pas être retardé. Ouais, très bien. Ouais, je vais y aller. De toute façon, nous on fait en fonction de ce qui vient. Si ça vient pas, on trouvera quelque chose d'autre. Ah ouais, ça faut pas se prendre la tête sur ça. Bah, ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est beaucoup. En fait, c'est pas mal. À 4 km, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. T'as chaud un peu là, non? Ouais. Et puis même pour. Ciao, merci. Et puis même pour manger, ça adorable. Va être. Stanislas. Ah ouais. Je l'aime. Ouais, trop mignon. Il est trop gentil, mec. Ouais, il lui fait un petit bisou sur le front, quand même. Salut. Ciao. Stanislas, je t'aime. Ça va être chaud de vous donner un coup de main.
ouais. aujourd'hui. Ouais. Par contre, on a des commerçants cool. Mm-hmm. On vous laisse aller voir avec eux. Mm-hmm. D'accord. Y a pas de souci, vous vous sentez pas désolé, hein, vous, vous nous devez rien. Donc là, comme vous avez vu, ou pas vraiment, vu le cadrage de Joris. Je rigole, Joris, arrête de te vexer là. Il filme avec le cul. Et donc, au moment où on se fait recal, un mec du centre pop de nulle part. Vous avez le droit d'utiliser votre téléphone ou pas dans votre Ouais. Oui. Ouais, ok. Bien vous pouvez m'appeler si vous avez rien à 18h. Ok. Et vous habitez vers où? Et moi, j'habite à Tifauge. Je peux vous emmener. C'est où Tifauge? Vous pouvez dormir à de Cholet. Ah oui, si, oh bah, s'il y a l'hébergement. C'est vous Richard, c'est ça? Non, Richard est pas là. Ok, d'accord. Pierre. Et vous, Pierre. Vous êtes 94-61. Hop. Bah, merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, peut-être Pierre. À tout à l'heure. Et sinon, auquel cas on se revoit pas. J'ai l'impression qu'il était en mode, ouais, si vous voulez, à 18h, je vous emmène vers Montaigu, tu vois. Ouais, moi j'étais en fait. Un peu en mode, ouais, bah oui, mais bon. Ouais. Puis après, il a fait, mais si vous voulez, vous dormez à la maison. Je fais, En plus, il a l'air. Non, mais gros. Il a l'air adorable. Bon, en gros, on est deux. Ça, c'est bien, ça. Et on a deux visions du monde. Bon, en gros, moi je suis d'avis d'attendre Pierre et d'aller crêcher chez lui, mais en fait faut attendre 2h30. Joris, lui, il est plus joueur et du coup il veut reprendre la route, il veut pas attendre, mais du coup on prendrait le risque de regretter le fait d'aller dormir chez Pierre. Je suis fou, mais... Une manche, si je gagne, on me décale. Ouais. Si tu gagnes, on reste. On décale. Allez, c'est qu'on abandonne un hébergement à 15h30. Hein. Ça va en vrai. Bon, du coup, quelqu'un vient de s'arrêter au bout de 2-3 minutes. Et elle va vers Nantes. Donc du coup, la théorie catastrophe se précise. On doit arriver à Nantes, il devrait commencer à faire nuit. Du coup, on laisse Pierre derrière nous qui devait nous accueillir pour aller dormir dans une poubelle à Nantes. Et du coup, la personne qui nous prend ne veut pas être filmée. Donc du coup, je vais devoir couper la caméra le temps du trajet. Donc je pense qu'on se retrouve à Nantes. Vous sentez quand je vais dormir dehors à quel point Joris, je vais le taper? Ouais, c'est la merde. C'est la merde. Ouais. Bah en fait on s'est clairement foutu dans la merde, hein, vraiment là. En gros, on a deux théories, soit on s'enfonce dans Nantes, et du coup on essaie de trouver un logement dans Nantes. Moi ça me fait peur, et je te dis Johan, c'est vraiment, si genre vraiment, limite on se fait agresser. Genre on va chez lui, mais sinon il n'y a pas moyen. Soit on va au nord de Nantes, on essaie de sortir de Nantes. Et putain t'as merde. Mais au final il fait nuit dans 1h30, donc tendu un peu. Rennes van. Oh la grosse, ils sont, on va à Rennes. Allez go. Bon. Soir, si on a Rennes ce soir. C'est chaud. Bah je paye mon hôtel. Non mais non. Ah merde, non, c'est pas ça le concept. C'est pas ça le concept, non. Je paye ma tournée alors. Bah non plus. On peut pas payer. Et fais de ton stop toi. Mais gros. Tu jambes ta gueule. Allez, lâche ton pouce. Oh, je t'en suis pour Philippe. Allez Macron là, viens là, ouais. Ah y'a un. Genre dis-toi que nous on a même pas de carte bancaire ni rien. Là. Ah vous avez rien On a plus. Rien. Moi j'ai ma CB mais elle est bloquée. Ouais elle est bloquée parce qu'il a pas de thune. Mais vas-y moi je suis chaud, je demande à mes parents. Ah, mais après faut que... Donnez-moi un numéro de téléphone comme ça je vous appelle après. Ouais Boris, Joris. Joris t'as écrit. Bah oui, non. Joris. T'as écrit comme ça, tu t'appelles Joris. Mais non, bah si ça G-O ça fait goût. Joris. Joris. C'est toi du coup t'es une 2000? 2001. Oh putain. Quoi? Non, rien. Enfin, aussi, hein. Ouais, mais sauf que moi je suis en 2000 quand même, respectement. Respectement. Précise que ça fait 10 minutes, on la connaît, hein, vraiment. Ils se battent pour des histoires d'âge, alors qu'en plus, moi de base, je suis un 97 en plus. Bonhomme. Alice, elle nous dépose dans un bled paumé et elle appellera ses parents une fois arrivée sur le site du babysitting où elle sera. Je suis avec un malade, des photos. Oh, mais gros. Et le soleil il se couche dans 3 quarts d'heure. Et le mec il est en train de retoucher ses photos pour Insta. Genre le mec me dit ouais je mets quel filtre et tout, je suis plutôt chaud à trouver un endroit où dormir, après je pense qu'on... Il y a une meuf qui nous dit une réponse dans 10 minutes là. Ah mais on sait pas. Mais il met... Et ouais mais ça sert à rien d'attendre 10 minutes, 10 minutes c'est important, 2 jours. Il reste 3 quarts d'heure de jour, si on perd déjà 10 minutes, il ne reste plus que 35. Mais on dort là gros. Je compte me donner la mort dans les plus brefs délais. Bah en gros pour moi il y a 3 solutions. Soit on apprend Alice. On attend Alice. Soit on demande porte à porte ici, ouais. Ou soit on va à Rennes. Mais là gros, on est en train d'attendre la réponse d'Alice. On n'optimise pas du tout le temps, parce que si elle nous envoie un grand non, eh ben on est mort en fait. Non. Vous...
T'as pas foutu le seum là. Mais gros, ça fait 20 minutes qu'on est en train de... Viens, on décale, gros. De jeter de l'eau dessus. Bah oui, on dort dehors, frère, là. Joris, t'as déjà fait de l'autostop? Non, jamais, pourquoi? Vas-y, gros, on fait. On fait comme ça, là. Mais en gros, allez, moi, je propose un truc. On fait du stop. Non, mais en gros, c'est que si on commence à sonner aux portes, j'ai peur qu'on prenne des crampes. Et au pire, on le fera quand il fera nuit, genre. La nuit tombe, donc la prochaine voiture sera sûrement la dernière. Sinon, derrière, ça partira en porte-à-porte. Clairement. Allez, allez, allez. Et tout à coup... Nettoyer la maison, tondre une blouse, nettoyer un garage, nettoyer le camion ou la voiture, faire des petites réparations, tondeuse, débroussailleuse, monter un meuble, démonter un meuble, garder les enfants, faire la vaisselle, démonter la vaisselle. Laisse-le peut-être répondre. Ça va être mort? Vous sentez pas obligé? Si vous sentez pas, vous inquiétez pas, on va dormir dehors. Gâteau. Non mais en gros, c'est pas très clair, mais en fait, il y a peut-être moyen, parce qu'il a commencé à venir, vous pouvez venir à la maison. Ouais. Donc il y a peut-être moyen. Ouais, purée, ça va surprendre un peu. Sauf que en gros, ouais voilà, je me suis dit au pire, on voit ça sur le trajet, tranquille. Pour pas lui mettre trop la pression, parce que là on arrête quand même quelqu'un en autostop, on lui demande en plus si on peut dormir chez lui. Bon, s'il dit oui, c'est vraiment un frérot. Et on va à Riarier. Riarier. C'est, en fait on va R-I-A-I-2-L-E. On va chez Tony qui nous accueille pour du coup bah, pour la nuit, mais sans l'accord de madame pour le moment, c'est... Ah, pour le moment, ouais. Bon, au final sa femme elle est d'accord. Bonsoir. Bonjour, bonsoir plutôt, oui. Je vous présente Morgane alors du coup. Voilà. Alors on va sortir un chauffage. Allez hop, hop. Oh, il récupère son chauffage à la main. Alors, votre chambre. Joris, c'est des bons petits gants, ça, que tu viens de... Ah mec, j'ai l'impression que c'est pile bataille. Tu viens de les dégoter, regarde, il me semble. Pile bataille. Bah il y a plusieurs personnes qui aiment pas ça, mais tu vois. Je suis plus quand c'est coûteux, j'aime bien ça. Ah, pas mettre dans des travaux. Bah dans un coup. J'aime bien ça. C'est une phrase qui marche pas dans beaucoup de cas. Ça marche avec le pain. Joris, la douche, au dodo. Hop là, merci beaucoup. Bah allez, bah demain matin alors. Yes, bah 6h, c'est ça on a dit. Au revoir YouTube. Réveil 6h15. Comme quoi, on peut vraiment pas faire confiance aux gens, putain. Délire du bordel. Du coup, t'en as pensé quoi de cette nuit un peu? Genre l'heure où on s'est levé, l'heure où on s'est couché par exemple? Ah, pas assez quoi, non. On est... Après, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une nuit? Non, mais ouais, j'avoue, là c'est chaud. Donc bah, il va nous déposer un peu sur la route de son boulot, dans un endroit un peu plus passant, parce que là, bah, on est vraiment. Ils font pas trop où est la. Ah, la route est complètement à droite là, du coup. Ok, bon, les gars, bah merci beaucoup. À la prochaine. Merci pour tout. Merci beaucoup. Ciao. À la prochaine. Et puis bah bon courage. Yes, ça roule. Pour la vie. Et bah bon courage à vous. Ouais, tu... gros merci encore. Ouais. Bon gros merci. Merci Tony. A plus tard. Allez, ciao. Bon courage pour le taf. Salut. T'as dit quoi? Hein? Bon courage pour la toi. Non, pour le taf. Ah oui. Mais toi, mais gros. T'as un peu chaud là, non?
Oh la tête du type quoi, incroyable. Au moins on n'est pas dans le noir. Donc là on est au péage d'autoroute, donc c'est cool en vrai. On est parti pour faire du stop, va falloir réchauffer. Donc vous êtes des youtubeurs. C'est ça. Bon du coup les gars, on est dans une voiture pour Angers. On vous prend quand on est à Angers. Bisous. Non. C'est pas français là. Et on est mort, héros. Bon. Ouais, j'imagine. Ouais, bah, tentez l'expérience, Berlin. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Merci. Bon alors, Alex. Oh, c'est dur là, non? En fait, là, j'ai qu'une hâte, juste ça se réchauffe un peu là. Deux? Hein? Deux? J'ai hâte que ça se réchauffe en fait. Hier? C'est toi qui as géré l'orientation. Et c'était vraiment éclaté au sol. Donc, je pense qu'aujourd'hui, t'es viré. Combien de temps de marche là? Quoi? 2 heures. Bon, en gros, on est à Angers, mais on est du côté de Poitiers, et ce serait quand même vraiment con d'y retourner. Donc, on prend la décision d'aller au nord d'Angers, qui est à 2 heures à pied. Allez, yes! Attendre que ça se réchauffe, quoi. Mais mec, il y a 2 degrés de différence entre là et cet après. Mais MDR, frère, toujours plus. Je crois qu'il va faire 4 aujourd'hui. Ouais, il fait 6. Mais gros, bien sûr que non. C'est un carton, là, tu vois. C'est un monsieur qui a oublié un carton dans une voiture. C'est qui, monsieur? Monsieur, c'est un connard, hein. Genre, je fais une aventure avec lui en ce moment. J'en ai vraiment marre. Je pars tout seul, Joris il m'a saoulé. Et Joris il veut faire des 4 heures de marche dans le froid. Quoi. Il veut juste mourir en fait. Ça, t'as raison, hein. Les gros iPhone. Tu crois pas une somme de 4 lignes? Ne croyez pas iPhone. Ouais, tu crois pas qu'il fait 2 degrés là? Non. Ouais, il fait combien là? Mais gros, il fait moins 4. Mais gros, l'objectif c'est pas non plus d'être tout le temps en train d'enculer la route. Mais le but c'est quand même d'inventer. Non mais bien sûr, mais gros, on va pas faire 15 heures de marche par jour, gros. Bon, vous l'avez sûrement deviné, mais fallait un peu d'action dans cette vidéo. Oh, bon, on s'apercevait qu'on décidait trop de la direction qu'on prenait, ce qui est contraire au concept. On voulait remédier à ça. On n'était pas d'accord sur la manière d'y remédier. La fatigue, le froid, la mauvaise foi, les iPhones, Eric Zemmour, le réchauffement climatique, la Coupe du Monde au Qatar. Il n'y avait pas une super ambiance. Ça a chauffé 15 minutes, on va pas épiloguer sur le pourquoi du comment. Vous vous doutez que j'avais raison. Bon, après une petite discussion mouvementée, petite embrouille dans l'équipe. Paris, Nantes, Rennes, Laval, centre-ville. Donc on peut se retrouver n'importe où. Oh, ça fait du bien d'être au chaud là. Et c'est déjà fini. Bon du coup Victor nous a proposé de nous déposer bon, clairement 15 minutes plus loin, donc notre tactique de prendre une route pour aller loin. Donc on va au rond-point. Le rond-point qui est là, toute direction avec Rennes, Laval, Angers, Paris. Et on vient de où là, Alex? Angers. Voilà. Et du coup, en roulant, je crois qu'on va faire des allers-retours à Angers toute la matinée. C'est pas mal. Et après, c'est après, on fera des allers-retours à Laval. Allez. Trop bien, abonne-toi, il y a trouvé un bête de spot là, parce que on est grave bien, il y a le petit soleil. On a le petit soleil, petit arrêt, petit endroit, on est visible de ouf. Hein. Toute direction. Et je commence vraiment à me dire que là, vu la température là, c'est pas une option en fait de dormir dehors, vraiment. Genre si on dort dehors, je sais pas comment ça va se passer, mais ça va être très compliqué je pense. Hein. Les gars, ce matin il faisait 2, hein, donc je pense que dans la nuit, bon, il fait 0 hein, simplement. On a juste un sac de couchage, hein, je précise. Hein. Ok, là il s'enjaille. Oh non, ouais. Je suis goudron. Allez, ça fait 1h15, on attend là. On est un peu plus chiant, ouais, il fait grave froid. Ouais. Donc on part 40 km au sud du Mans. Ouais. Oh. C'est à combien de temps d'ici la flèche? Ouais, c'est il y a une demi-heure, je pense. On est pour 50 minutes. Ouais, 50 minutes, je pense. On est pour 50 minutes de voiture là? Ouais. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Ouais, ouais. Bon bah du coup on est tombé sur Jonathan qui nous a emmené en race campagne. Et donc du coup Jonathan nous a proposé de venir manger chez lui. Il fait de la sécu, il est agent de sécu, donc c'est un gros balèze, il a un chien apparemment. Ouais, ah, il est en train de lui mettre un collier électrique.
parce qu'apparemment sinon il va nous bouffer, réel, premier degré. Johan, j'aurais pas pu faire ce voyage avec toi. Fil de là. Tu penses que si tu avais pas mis le collier, il y aurait eu... Ouais, il y aurait eu une petite paire de couilles en moins. Il y aurait eu tentative. Ah ouais. Ouais, ouais. Yes. Le chat a toujours plus... En lendemain de soirée, le chat là, non. Ouais, ouais, bah c'est bon, les boules, hein, maintenant. Merci. Après, il s'est barré avec. Floris se fait bouffer la couille avant le départ. T'es pas gentil, hein. Tourne la tête. Tu filmes là, Alex? Yes. T'es youtubeur, c'est ça? Non. Hein? Non, non, du tout, pourquoi? Bon, je sais pas, t'as une espèce de caméra, c'est quoi? Ah oh merde, j'ai même pas vu, putain. Bah merci pour tout. Bah de rien. Merci pour aiguiller ta haricot vert. Hein ouais. Merci pour aiguiller ta haricot vert. C'était sympa. Ouais, c'était pour rien, hein. Donc nous voilà dans un petit village. Bah voilà, vous connaissez ouais, la chanson, on va faire de l'autostop. T'as déjà fait l'autostop? C'est grand, pour moi c'est grand. Voilà. Ouais, c'est là. Tu vas voir, ça va s'arrêter direct. Comme ça, la mort dans le bas. Quel malade! C'est un petit van, ça? C'est un petit van. Un petit van. Allez, pour Willy. Pour Willy. Je t'ai eu avec la cam, Willy. Ça s'arrête. Ça s'arrête? Ça s'arrête. Bonjour! Entre les deux, toi. Si tu claques de trop, ça va pas le faire. Si tu claques pas assez, ça le fait pas. Voilà. Après, je suis de tour, hein. Je suis un ancien patron d'entreprise. Hein. Ouais. En fait, ça fait 6 ans que j'ai tout arrêté. Okay. Et je suis parti vivre au fond des bois. J'ai tout fait moi-même. Ok. Voilà. Mais par contre, ouais, j'ai pu parler à personne, à part ma fille, pendant 3 ans. Pas de télé, pas d'information, pas de radio, strictement rien du tout. Rien. Okay. Le côté extrême de la chose, quoi. Ouais. Bah, dis donc, quelle rencontre alors. Ouais. Ouais, chez moi, ouais, on me prend un peu pour un barge, quoi. Généralement, je me rase pas de l'hiver, tu vois. Ouais. Et je ressens plus à SDF libanais, tu vois. Ouais. Et les gens avaient peur de moi, ouais. Le retour des moments où forcément ça filmait pas. Au cœur de cette rencontre, somme toute originale, Patrice, à 50 mètres d'une intersection, il nous dit « Écoutez les gars, en face, c'est la ville où je comptais vous déposer, à droite, c'est les bois où j'habite. » En gros, c'est une invitation pour aller dormir chez lui. 50 mètres pour prendre la décision, Patrice, visiblement, pas comme les autres. Un regard entre Joris et moi. C'est oui, Patrice! On va dans tes bois, même si les gens y disent t'es un gros SDF libanais. Donc voilà, tout ça, et puis bon, il y a 22 hectares. Toi, c'est un vieux mobilhome que j'ai acheté il y a longtemps. Ouais? C'est de faire un ouf. Par contre, il va nous tuer, non? Bon, non. En vrai, c'est cool, non? Moi, je te dis les confs. Moi aussi. C'est grave. Moi, je kiffe de ouf. C'est un peu incroyable, du coup, après, je filmais pas, mais apparemment, il nous a dit que le voisin a une casse automobile et qu'il est complètement barjou et faut pas s'approcher. Donc, même déjà filmé, je n'osais pas, il y a des pitbulls partout. Bah ouais, on est arrivé. Je voudrais juste descendre dans le bois. Moi, j'ai une putain de souche de ouf à découper pour passer avec le tracteur, tu vois. Ça va un peu tout niquer, donc c'est un peu la... Ça va être une mission, quoi. Ouais, bravo. Ça peut être intéressant pour vous. C'est la dernière fois que tu rigoles comme ça, Patrice. Déjà, on fait l'effort que tu nous accueilles. Alors, oublie pas. Le plus difficile, c'est de quitter ton appart le soir. Mmh. Et en fait, une fois que t'es là, parce que moi, quand je suis arrivé ici, en fait, il n'y avait que le mobilhome. Je n'avais pas d'eau, pas d'électricité. En fait, j'ai tout fait. Je suis arrivé. Il n'y avait pas de poêle, il n'y avait rien. Et j'avais tout à faire, si tu veux. Ouais. Et je trouve ça cool, en fait. La mentalité d'ici, c'est pas du tout mon trip, quoi. Ouais, puis le voisin qui est pas... Ah, puis ils sont tous aigris ici, mais tous, quoi. Ouais. En fait, j'avais envie de faire quelque chose que je puisse contrôler, moi. Ouais. Et puis de plus entendre dire « Ah ouais, tu vas pas faire ça, putain, t'es... Ouais. » Ouais. En fait, tu t'aperçois que toute ta vie, tu vis par rapport aux autres. Ouais. Exactement, parce que tu entends tous les jours, hein, tu partages et tout ça, et tu te rends pas compte à quel point tu es influencé sur tes choix. On est influencé sur tout, de toute façon. J'ai mon boîtier solaire,
avec ma batterie solaire. Et tu vois, bon, bah, hop, ça se met dans mon van, hop, clac. Et dessus, j'ai quatre trucs, je mets mon panneau de 100 watts. Et quand je me barre, en fait, je suis autonome aussi dans mon van. C'est tellement, tu te sens tellement plus vivant. Enfin, ici, moi, je me suis jamais senti aussi vivant de ma vie, quoi. Au milieu des Porsche et des Ferrari. Oui, parce qu'en gros, Patrice, c'est un ex-patron d'entreprise, comme vous l'avez compris il y a quelques minutes. Et dans son entreprise, il faisait du covering. Alors, si vous avez aucune idée de ce que c'est, comme moi, vous avez compris, moi, les voitures... C'est le fait de recouvrir à des fins décoratives une voiture. Et Patrice, lui, il décorait des Porsche avec des croûtes de croco. Patrice, là, le mec dans la vidéo, là, que vous venez de voir, en fait, à l'instant. Oui, le gros SDF libanais, c'est lui. Suivez un peu... On doit tous monter, je crois, par la même porte parce que les autres elles tombent sur les deux. Ah ouais, vas-y, je vais filmer ça. Ah ouais. Vas-y, mon pote. Ouais, mais ça doit. En fait, à l'oral, c'était super con. Bah, avant, toi ici, il y avait une grotte, un mec qui a vécu tout seul et tout dans une grotte. On l'a trouvé, je l'ai bouché parce qu'en fait, il y avait plein de trucs dedans. C'est-à-dire bah, je sais pas si vous croyez aux esprits ou trucs comme ça. Non. Ouais, bah restez là, ici, avec moi, plus longtemps, vous allez voir, vous allez changer d'avis. Ah ouais. Ouais. Voilà la fameuse à enlever, la fameuse souche. Parce que c'est où je dois passer pour continuer le chemin. Déjà, ça à refaire. Yes, Joris. Tu tiens à la responsabilité, Joris. Voilà. On va pas péter le carreau du 4x4. Ah t'es bien. Ok. Ah ouais, t'es bien. En plein dedans. Ah non, juste à côté. Ouais, mais c'est pas mal. Ça va, fais pas trop de retour. Ah là t'es bien. Impeccable. Voilà. Ouais, attends. Ouais, vas-y. Ah j'ai failli me couper la main. Ouais. Bon, je vais le couper d'un coup par contre. Même avec celui en dessous. Oh. Oui, que tape une fois, ça part et ça casse. Tu vois, je connais le bois. Ok. Ah, du coup, faudrait que je sois là. Tu tapes vraiment un coup sec. Vas-y, dépêche-toi. Et c'est la douche la plus chaude que j'ai pris en vrai, elle est incroyable. Ça fait trop du bien. Vraiment là. Pur bonheur, en plein milieu des bois. Je viens de prendre une douche bien brûlante. Bon du coup je vais pas vous cacher que c'est un peu compliqué au niveau de la lumière, parce qu'au final il y a une bougie, cette lampe. Donc ouais, inutile de vous dire que c'est un peu compliqué là niveau niveau de la lumière, donc je peux pas vous prendre de plan. Du coup ouais, pour la vidéo faut que je te filme tout nu. Bon, ouais, ok. Du coup tu filmes là? Tu mets la portative ou... Ouais je filme, vas-y enlève plus de vêtements. Tu veux courir tout nu dans les bois tout à l'heure? Je l'ai fait une fois. Lui, hein, lui il peut juste souffrir lui en fait. Ouais c'est ça. Lui ça, ça. Et il me fait penser à moi, fais gaffe hein. Ah merde. Tu vas finir comme moi gars. Oh, regarde je vais triper. Hein. J'étais toi dans une vie antérieure. Et en fait, je sais ce qui va se passer dans ta vie. Non, je peux pas savoir ce qui va se passer dans ma vie. Il fallait que tu passes ici, quoi. Non, mais genre, c'est vraiment... C'est ta destinée, mec. Ma destinée, c'est pas... Bah vas-y, hein, vas-y, je vais regarder sur le bon coin un petit mobilhome, là. L'autre, il va regarder sur le bon coin, c'est sa destinée, tu sais. Ah, mais un petit mobilhome, destinée, le bon coin, qu'est-ce que c'est? C'est une soupe chez le pâte qui nous parle du chétan qui est en train de bouillir, quoi. En fait, c'est pas le but, c'est le chemin qui y mène. Ouais, mais toujours, hein. Toujours ça. Mais c'est bah comme. Moi, c'était tout le contraire. Ouais. Mon chemin, il a été merdigre. Mais il y avait plein de trous dans mon chemin.
Ouais. Et il n'y avait personne pour les reboucher. Et tu te dis, lui c'est un grand barjot lui. et en plus si vous voulez on se met le chétan après. Et ça c'est Vincent Cassé. Bah oui c'est Vincent Cassé. C'est arrivé plusieurs fois où dans la chambre de Thaïlis ça sentait la clope ou le parfum de Nana. Ah ouais. Et tu veux pas vous avouer que. Si bah je vous le dis hein. Après c'est depuis que j'étais hors la dame, c'est plus jamais arrivé. Mais même Thaïlis l'a senti. Oh, elle fume quoi. Elle fume. En fait, ta fille, ouais, t'as En fait, ta fille fume. Elle fume ta fille. Eh, hey, tu fumes. Tu fumes. Le David, l'autre jour. Je te dis quelque chose là. Ah, ta gueule. Viens là, dis-lui ta gueule. Viens là, tu me replonges tes morts. Ouais, t'as vu putain ce que t'as fait de ma vie, ta gueule. Non, je t'encule et t'es mort, tu veux. Ah, les soirées Manou, j'en ai fait, putain. C'est ma première. Ils sont chill les esprits ici quoi. Ouais, carrément. Ça va, lourd. Lourd. Bon, en tout cas, genre je me sens mieux là que dehors. Bon, putain, ça y est, j'ai oublié. Moi j'aime pas trop mon dos. Ouais, donc le concept j'irai où tu iras se termine ce soir, après 3 jours. En gros on a quasiment fait un cercle quoi. Donc on a vraiment presque tourné en rond quoi. Donc voilà, nous sommes restés en France. Oh, je pense que je ferai un montage un peu mieux quoi. Okay. Yes. Et on termine quand même cette vidéo au milieu des bois, chez Patrice, dans son lit. Ouais, dans son lit, il nous a laissé son lit. Ouais, on termine quand même cette vidéo dans le lit de l'autre. Nous, on continue un peu le délire, je vous dis pas exactement ce qu'on va faire, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Abonnez-vous, restez présents. Et la phrase de fin, c'est quoi? Pat, c'est la patte patrouille. Super. C'était accélère. Et Joris a l'air. Joris a l'air. Joris l'air, ça fait un peu Joris Hitler quoi. Bah tu m'as dit que t'aimais bien son œuvre. Ça